Non, mais je veux juste, parce que pendant qu'on est en tournage, je veux juste présenter. On vous voit, Catherine, Valérie, Debbie, c'est le fun. Une partie de l'équipe qui vient travailler ici. Puis, pendant que vous êtes là, je veux juste vous montrer aussi que j'ai reçu des petites cartes parce que j'ai fait faire pour quand les gens, des fois, ils nous écrivent des super beaux mots, des belles lettres. Fait que là, je voulais leur répondre à la main aussi. Là, mon chum va dire, tu n'auras pas le temps. Comme au début, quand on a commencé, on faisait les paquets, j'écrivais des petits mots dans chaque boîte. Oui, et tu as une tendinite, je me rappelle très bien. Puis tu disais qu'on allait visiter demain Sainte-Thérèse. Sainte-Thérèse, oui. Ouais, j'ai même travaillé le financement tout à l'heure, ça fait qu'on devrait déménager et couvrir dans 35 jours. Donc ça c'est mon chum. Là, hier, qui est rendu plus rapide que moi dans les idées. 60 jours. Hier matin, il m'a dit on devrait ouvrir dans ce coin-là parce qu'on est allé en conférence à Saint-Jérôme, puis il y avait un bel engouement, puis il y avait beaucoup de demandes. Puis là, on vous en a parlé, puis tout le monde a dit oui, on en a parlé sur les réseaux sociaux pour former une équipe aussi là-bas. Là, on va parler de votre nouveau livre. La couverture est un petit peu abîmée, c'est parce qu'on l'a parcouru hier, OK? Mais c'est merveilleux, félicitations. Donc, il est en librairie maintenant, partout. Votre premier, parce que c'est bien écrit ici, est un best-seller aussi. Oui. Pourquoi vous avez adressé la douleur dans votre livre? J'avoue que le deuxième livre, j'étais un peu perplexe de parler de douleur. Je dis, waouh, c'est un peu péjoratif, mon affaire, parler de douleur. Est-ce que c'est vendable? Est-ce que les gens vont aimer lire sur la douleur? Tu sais, c'est quelque chose qu'on veut éviter autant que possible, la douleur. Bien, justement, je me suis dit, c'est la raison. Tout le monde souffre à quelque part. Que ce soit d'une souffrance physique, d'une souffrance de maladie, d'une souffrance psychologique. Donc, la douleur est omniprésente sur la planète, malheureusement. Et comment faire face à cette douleur-là de façon sereine aussi, et aussi de façon simple? Donc, j'ai été chercher des éléments qui font partie de ce que j'appellerais de la médecine intégrative, autant que de la médecine très scientifique, qui peut faire en sorte qu'on peut se libérer des douleurs qu'on a des fois depuis 5 ans, 10 ans. Je parle beaucoup de douleurs chroniques, d'ailleurs. Okay. Et donc, un peu comme on parlait... C'est une de vos spécialités. On oui. vous consulte pour la douleur. Oui, effectivement. Puis les douleurs chroniques, souvent, c'est pour les gens qui ont déjà... qui ont fait un certain cheminement depuis des années dans une douleur et qui ont encore des problèmes. Donc, ça m'a forcé aussi d'aller... C'est ce que j'ai réalisé. J'ai vraiment une formation internationale au niveau douleur parce que j'ai fait beaucoup de formations aux États-Unis, en Europe. Vous êtes toujours en train de voyager puis en train de suivre des stages à gauche, à oui, droite. C'est vrai. Et de revenir avec des machines bizarres. Mais au fond, c'est ça. Un médecin, c'est quand même avant tout un chercheur. Hein. Je pense qu'il faut développer. C'est pas juste de donner toujours la même recette pour tout le monde parce qu'on n'est pas justement... Chaque personne, il faut les aborder de façon différente dans leur douleur. Toute la notion psychologique au-dessus de la douleur est très, très importante. Comment, lorsqu'on se sent plus confortable dans notre tête, bien, la même douleur peut être 50% moins ressentie pour la personne. Quand j'ai accouché de mon deuxième enfant, j'ai fait l'auto-hypnose pour justement... Mm-hmm. Et ça fonctionnait. Ça fonctionne, bien oui. Et s'il y a une chose qui fait mal, c'est bien d'accoucher, n'est-ce pas, Carole? Mais notre cerveau a une force incroyable, mais il faut se faire confiance aussi. Puis on parlait de se parler précédemment. Il y a des chemins qu'on ne connaît pas... Absolument, il y a des chemins qu'on ne connaît pas. Il y a des questions raciales aussi à travers ça. J'ai accouché des fois, moi, des Chinoises. Et j'allais voir la mère. Ça va parce qu'elle avait un visage tellement... je ne pouvais pas voir d'émotion, ni de douleur, ni de joie, tu sais. Elle me faisait signe, c'est correct, on continue. Et j'étais vraiment surpris, alors que d'autres fois, d'autres personnes, c'est les lamentations, c'est très... Donc, il y a une question de sensibilité, de susceptibilité héréditaire ou raciale. Et il y a aussi un travail qu'il faut faire sur soi, effectivement. Et c'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'on montre aux gens hein, à respirer. C'est tellement important, la respiration, pour avoir des bonnes contractions, pour diminuer la douleur. Et si tu rajoutes l'hypnose avec ça, wow, c'est fantastique. Ou l'acupuncture également. Oui, absolument. Parce que là, l'acupuncture, on travaille au niveau douleur, mais on travaille aussi sur la qualité des contractions utérines, probablement, qui va faire que ça va être plus facile à expulser, plus rapidement. Ça aussi, j'ai de la misère. Mais moi, je consulte mon ostéopathe, mon acupunctrice, à toutes les deux semaines. J'aime ça, j'adore ça, parce que je sais que mes organes sont à la bonne place, à peu près ça. Mais à chaque fois, je me dis comment une petite aiguille peut
calmer mes problèmes, par exemple, d'allergie ou tout ça, je n'en reviens pas, jamais. J'ai été surpris quand j'ai fait mon cours d'acupuncture à l'époque. Il y avait des patientes qui accouchaient donc de césarienne sous acupuncture. Aïe, aïe, aïe. Sous acupuncture, voilà. Sans aucune anesthésie, césarienne, pouf. Donc, je les voyais, là. Fait qu'en Chine, ça se produit comme ça. Je ne dis pas que ça continue beaucoup parce qu'actuellement, la pharmaceutique prend de plus en plus de place chez les jeunes médecins chinois, mais la médecine acupuncture travaille beaucoup. J'ai vu des opérations de glandes parotides, là, des tumeurs qui ont été opérées pendant 3 heures que sous acupuncture. Donc, c'est un effet qui n'est pas négligeable, c'est un effet qui est vraiment présent au niveau de la douleur aussi et de l'inflammation par acupuncture. Et c'est une médecine, la médecine chinoise existe depuis c'est plus la plus longtemps vieille, notre, c'est notre plus vieille médecine. Hein? Oui. Si elle a survécu après autant d'années, à quelque part, il y avait une base sûrement qui est très, très donc, applicable encore. Vous avez des solutions pour les douleurs, vous avez, pour tous les types de douleurs? Ce qui va être vraiment... ce qui est unique dans ce livre, d'ailleurs, c'est qu'on parle de douleur, mais on parle pourquoi les gens souffrent sur la planète. Il faut quand même identifier ce processus-là. Et après ça, comment remédier au phénomène de la douleur? Et je dis, c'est pas parce qu'on a mal qu'on doit souffrir, parce qu'il y a une différence avec une douleur puis la souffrance qui en résulte. Donc, on a quelque chose à faire vraiment au niveau de ce que j'appellerais de l'intensité ou la relation qu'on vit dans la souffrance de ça. Et le livre s'adresse aussi au niveau psychologique, c'est-à-dire que il y a une phrase que j'aime bien, le mal nous a dit quelque chose, ou la douleur nous dit quelque chose aussi. Donc, aller voir en arrière d'une douleur qui est là, qu'est-ce que le corps veut m'enseigner? Et il y a des choses physiques que le corps veut nous enseigner. Par exemple, si tu mets le doigt sur le four qui est brûlant, ça va faire bobo. Et c'est pour te sauver la vie, pour te sauver le doigt, que le corps dit « Hey, ça fait mal, ne recommence pas. » Et ne mets pas le doigt sur quelque chose de très chaud. Mais c'est la même chose au niveau psychologique aussi. Donc, il y a cette approche psychologique de la médecine, de la douleur, qui fait qu'il y a des douleurs que l'on ressent à cause de certains blocages psychologiques, certaines frustrations, certaines colères, tensions, etc., que l'on vit et qui vont se localiser dans nos articulations, dans nos organes, sous forme de douleur aussi. Et pointer sur cette tension psychologique et la faire disparaître, la douleur disparaît aussi. Des fois, il y a des solutions comme ultra rapides où les gens ont mis le doigt sur un problème psychologique et à partir du lendemain, tout était réglé, la personne ne souffrait plus. Et ce que j'apporte aussi dans le livre, ce qui est vraiment nouveau, autant des techniques très pharmaceutiques, parce que je parle des médicaments en général, je parle de toutes les techniques d'infiltration que l'on peut faire. Et il y a tout un chapitre sur l'alimentation aussi. L'alimentation, parce que prendre soin de sa douleur, je pense que ça commence dans notre assiette aussi. C'est très, très important. L'inflammation, on mange énormément de choses inflammatoires aujourd'hui. Bien, premièrement, notre nourriture, elle est trop industrialisée. Oui. Et donc, on parlait dans les justement précédemment à quel point l'intestin était constamment la cible d'irritation, de malaise, de douleur, de colite, d'entérite, toutes les hits hein, qu'on veut parler. Oui. Et l'intestin est à la cause, est à la solde de ça. Et à partir de là, ça génère aussi à d'autres organes un paquet d'inflammation également, le retour. Donc, le jour où on peut commencer, et c'est soi-même qu'on peut le faire, commencer à avoir une diète qui est anti-inflammatoire, ça va vraiment aider la douleur en général aussi. Vous parlez de la grave erreur des années 60. Est-ce que c'est relié au gras? C'est ça que vous... Oui, c'était surtout ça. Hein? Dans les années 60, on a dit « Ah, les maladies de cœur sont très présentes actuellement. » Et un des facteurs qu'on avait identifié, c'était le gras. Évidemment, le cholestérol, le fameux cholestérol. Alors que le cholestérol, c'est source de santé. Pas de cholestérol, pas de vie, hein? On s'entend, là, nos cellules ont toutes du cholestérol. C'est incroyable. Et là, il fallait abattre le cholestérol comme si c'était le mauvais garçon qui n'avait plus d'affaires à sa place. Mais c'était carrément faussé. Et on en a profité pendant des années au niveau alimentaire là, dans l'industrie parce qu'on vendait des produits sous prétexte que c'était sans gras. Et la population a fait aussi de même. On avait mis dans la tête des gens qu'il fallait couper le gras. On a continué à manger. Oui, donc, on qu'est-ce qu'on a fait? Oui, on écoute. Et il a fallu continuer à manger. Donc, il a fallu manger d'autres choses que le gras. Et c'était le sucre. On s'est bourré de sucre.
L'industrie, en plus, nous a bourré de sucre. Hein? Le sucre, on est passé des années 70 à peu près à 25-30 livres de sucre rajouté. On est passé à le double. 65 kilos à peu près. On a doublé et demi, en tout cas, en l'espace de 50-60 ans, la quantité de sucre ajouté. Et ça, c'est à notre insu. C'est ça qui est la pire. Le sucre en grande quantité, au bout de la ligne, crée de l'inflammation. C'est malheureux, là. Même si on n'est pas obligé de voir toute la cascade biochimique, mais elle est là, éventuellement. Trop de sucre crée de l'inflammation. Trop d'insuline crée de l'inflammation. Parce que le jour où tu augmentes beaucoup ton sucre, il faut que ton insuline augmente aussi pour essayer de compenser, pour régler ça. Et ce qu'on appelle l'hyperinsulinisme crée beaucoup d'inflammation et de désordre dans tout le corps. Aujourd'hui, d'ailleurs, on souffre beaucoup de foie gras. C'est assez bizarre, hein? Les 30 % de la population, on ne fait pas passer les tests à tout le monde, parce que ce serait un peu épeurant. 30 % des Américains de l'Amérique du Nord souffrent de foie gras qu'on appelle la stéatose hépatique. Oui. Pas relié à l'alcool de nos jours. Non, c'est sans alcool. Et pas relié au bon gras non plus. Non c'est pas plus. Parce qu'on non, mange c'est des bons ça. Gras qu'on a un foie gras. C'est pas, ça. Qu'est-ce qui cause un foie gras? C'est le sucre. Le corps, là, qu'est-ce qu'il va faire? Quand il y a beaucoup de sucre qu'il n'a pas dépensé, il va le stocker. Il va le stocker, il va le transformer en gras et principalement en gras dans le foie. Donc, la stéatose hépatique, c'est ce qu'on appelle le foie gras. C'est quoi les symptômes d'un foie gras? Tu peux avoir des troubles de mémoire, des troubles de concentration, de la fatigue constante. Et si ça évolue plus loin, bien évidemment, tu peux avoir des problèmes où le corps va avoir des symptômes, même au niveau, il peut avoir les yeux qui vont changer de couleur, la peau, et puis on s'en va vers ce qu'on pourrait appeler la cirrhose ultimement. Donc, il y a quelque chose à faire pour ce que j'appelle la stéatose hépatique. C'est vraiment arrêter de manger du sucre. Et c'est surprenant à quel point, à un moment donné, le foie va finir par revenir à sa forme normale en quelques années. Notre corps se régénère, c'est un super bel outil. Le corps se régénère. Si on enlève toutes les résistances qu'on y amène constamment, le corps se régénère. Le corps, c'est encore le meilleur médecin. Hein? C'est lui qui... Le médecin, on dit, il pense la plaie, puis le corps se guérit, hein? On ne guérit rien en médecine. Nous, on fait juste réparer un peu, puis on espère que le corps va finalement se guérir, parce qu'au bout de la ligne, c'est lui qui régénère ses cellules, c'est lui qui se refait sa fonction biochimique, etc. Mais votre médecine nous guide bien, parce que tout ce que vous nous dites, les pistes que vous nous donnez, nous permettent ça. J'aime votre approche infiniment. Et c'est pas quelque chose qui est farfelu, hein, parce que... Au Cleveland Clinic, il disait que si on faisait cette approche-là, c'est que 50 à 60 % des maladies qu'on appelle aujourd'hui toutes nos maladies chroniques, oui. Que ce soit diabète, maladie de cœur, probablement cancer, maladie auto-immunitaire, diminueraient de 50 % Tu peux imaginer que 50 % de la population un jour qui ne souffre plus de ces maladies chroniques, c'est incroyable. Oui. Sans médicaments, là. Puis en plus, c'est qu'en retournant il n'y a pas un médicament végétaux. Qui est capable de guérir à 50 % toutes les maladies chroniques. Non. S'il y en avait un, il ferait fureur. et si on se retournait plus vers les végétaux bio, oui. La planète serait fantastique aussi. Quel bel endroit. Moi, j'y crois. Je crois que dans les 20 prochaines années, on est là-dedans. On n'a pas le choix de toute façon. Ma question de tout à l'heure. Est-ce que c'est vrai qu'un cycle féminin devrait suivre celui de la Lune? Devrait, le mot est fort. Ouais. Moi, je pense que c'est plus un choix. Il y a eu différentes explorations là-dessus. Il y a des bouquins qui ont été publiés. Je pense que c'est un choix personnel. C'est une étape supplémentaire. Moi, je dirais... Décider? Comment ça, c'est un choix personnel? On peut décider d'essayer d'aller vers le calendrier lunaire. Mais c'est pas le corps qui nous mène là? C'est nous qui avons un... Pour aller vers le calendrier lunaire, il faut d'abord se renseigner sur... Il faut d'abord connaître son corps. Il faut d'abord faire l'auto-observation du cycle. Nous, c'est avec la méthode symptothermique. C'est pour ça que je dis que c'est une étape suivante. Si on veut aller un peu plus loin, et qu'il n'y a pas d'obligation. Il n'y a aucune démonstration scientifique en quoi que c'est meilleur Je pour comprends. La santé ou tout ça. C'est plus un choix
d'aller explorer ça. Mais la Lune a un effet quand même. Il y a quelque chose d'intéressant quand même, parce que sans avoir toutes les bases scientifiques, là, sais pas s'il y en a d'ailleurs, là, tu sais, mais il y a quelque chose d'intéressant, parce que puisque la Lune, elle influe sur les marées, puis qu'on est fait, bon, c'est ça que j'allais dire. Est fait à 75 %, mais bon, dépendant de l'âge, là, on en perd un peu, là, tu sais, on se dessèche un peu, là. Ah, OK. Bien, c'est sûr que ça a un impact, puis ça a un impact sur la glande pinéale, tu sais, la glande pinéale. Mon vocabulaire. Bien, c'est la glande je vais l'utiliser maintenant. La glande pinéale, c'est elle qui sécrète la mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone de sommeil, puis à partir de la mélatonine, on fait de l'hormone de croissance, donc qui est vraiment nécessaire. Puis la mélatonine, elle vient protéger tout l'équilibre, puis elle vient régler l'ovulation. Fait qu'il doit y avoir quelque chose avec la pleine lune, puis à ce moment-là, bien, il y a un changement au niveau... il fait plus clair, hein? Fait que la sécrétion plus... Pleine lune, parce que je sais que moi, j'accouche tout le temps à nouvelle lune. Fait que je sais c'est pas dans l'obscurité, dans la grande sécurité. Bien, c'est ça. Plus démontré scientifiquement et en lien avec la glande pinéale, c'est plutôt la lumière nocturne. Donc, si on aurait quelque chose à travailler, ça serait un peu flyé, plus... La lumière nocturne. Oui, en fait, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, on a fait disparaître l'obscurité de la nuit. Donc, dans notre chambre à coucher, il y a des sources lumineuses. Oui. Et ça a été démontré scientifiquement que ça a un impact sur le cycle, sur notre fertilité et même sur les fausses couches. Baisser des gros rideaux épais, réduire, puis enlever toutes les nous, on a un test là, qu'on propose pour améliorer, réguler le cycle et améliorer sa fertilité. C'est de s'installer dans sa chambre à coucher, comme si on allait dormir, fermer les lumières, fermer les yeux, 15 minutes. Quand on les ouvre, si on est capable de déceler le contour des meubles, bien, on a des sources lumineuses à éliminer. Donc, on va essayer de repérer quelles sont ces sources. Souvent, c'est le contour des rideaux, si on a de l'éclairage de la rue. Le réveil matin. Les cadrans, nos téléphones, on a toutes sortes de choses dans les... Ou les lampes de sel qui sont si belles qu'on met dans la chambre. C'est mais ça. Non, on vise l'obscurité. Ça va pas là. On vise l'obscurité un cadran totale. Électrique non plus. Non. On vise l'obscurité totale. Et ça, il y a eu des études. Il y a Joy Defilippi, dans l'État de Washington, qui est la spécialiste, qui a vraiment... Il y a eu des études cliniques là, de ce que j'avance, et il y a vraiment des femmes qui avaient des cycles chaotiques ou qui vivaient des fausses couches à répétition et qui ont appliqué ce qu'on a... Nous, on appelle ça la thérapie de l'élimination de la lumière. Donc, qui ont visé l'obscurité totale pendant la nuit et qui ont vu leur cycle se replacer, avoir un cycle beaucoup plus équilibré et qui ont réussi à concevoir. Hey, bienvenue! Je suis contente de te rencontrer. Hey, moi aussi! Donc, Joséanne, tu avais plusieurs plateformes. Et là, je veux comprendre, pourquoi tu es partie en Bretagne et comment est arrivée la simplicité dans ta vie. Puis après ça, tu me donneras des trucs, OK? OK. Super. Pourquoi on est allé en Bretagne? C'est vraiment simple. Mon mari et moi, les deux, on a comme besoin de l'océan dans la vie. On a comme une relation avec l'eau, entre guillemets, si on peut dire. Puis on surfe beaucoup, beaucoup. Ah! Ouais. Donc, pour nous, il fallait choisir un endroit qui a l'océan, mais qui a aussi des bonnes vagues. Mais c'est donc bien génial! Ouais. Tu sais, je trouve ça beau comme liberté de se dire, OK, où est-ce qu'on peut aller dans le monde vivre? C'est un peu ça? Ouais, exactement. Tu documentes votre vie là-bas, quand même. Ouais. Et ça fait combien de temps que tu développes les médias sociaux? Ah, ça fait quand même longtemps. Le blog va avoir 5 ans. OK. Là. Et puis, ça fait 3 ans environ que c'est rendu mon travail vraiment à temps plein. Mais tu sais, j'ai été très créative là-dedans, là, étant donné que j'ai quand même des valeurs de consommation assez pointues. C'est ça. Je fais vraiment pas beaucoup de collaborations avec des marques, donc j'ai trouvé plein d'autres façons de tirer des revenus avec ça. Et la simplicité, est-ce que tu as toujours été attirée par ça? Donc, est-ce que c'est de la simplicité volontaire? Est-ce que c'est de la simplicité dans le sens minimalisme?
Qu'est-ce qui t'a attiré et depuis quand tu vis de cette façon-là? Ça fait quelques années. En fait, ça a été quand même une longue transition, là. J'ai déjà été une consommatrice, là, mais quand, j'ai quasiment honte là, quand j'y repense. D'où ton premier blog, peut-être? Oui, les bottions, exactement. C'était un blog mode. Je ne parlais que de mode, de produits de beauté, de trucs de consommation. J'avais aucune éthique par rapport à tout ça, de la manière que je consommais, là, okay. Je veux dire. Puis, tranquillement, je ne sais même plus pourquoi, je me suis mis à me renseigner sur la provenance des vêtements. J'ai commencé par ça. Donc, à savoir, c'est quoi l'impact réel de ma consommation? Tu sais, quand je vais dans les grandes chaînes puis que je fais des razzias là, de magasinage. Et là, j'ai comme eu une claque en pleine face que, tu sais, c'était pas une bonne façon de consommer. Puis ça avait vraiment... Qu'est-ce que tu as appris qui t'a le plus marqué? Bien, en fait, il y a le côté désastre écologique de ces industries-là, mais il y a le désastre humain aussi. Le nombre incroyable de personnes qui vivent dans des conditions qu'on ne peut même pas imaginer, nous, ici. Là. Ouais. Puis à partir de ce moment-là, quand tu te rends compte que dans les magasins où on magasine la plupart du temps, bien, il n'y a rien qu'on peut acheter, finalement. Ça te force à réduire ta consommation. Donc moi, ça a commencé comme ça. Puis quand j'ai décidé de partir voyager, en fait, je pense que c'était en 2016, début 2016, j'ai décidé là, que j'en avais marre, puis j'allais partir. Donc, j'ai vidé ma maison. Je me suis débarrassée de 95 % de ce que j'avais. Pour vrai? Oui. J'ai gardé, là, ça rentrait dans une valise puis un sac non, à dos. Non, 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 non. Ouais. T'es arrivée à ça. Oui. Je t'envie. Grave. Mais c'était thérapeutique, là. T'avais pas d'enfant encore? J'avais pas d'enfant encore. Je venais de me séparer. J'étais fiancée. Wow. Donc, je venais de me séparer. Gros... Et qu'est-ce que t'as fait? Comment t'arrives à épurer à ce point-là? En fait, là, je pense que... Je sais pas si t'as lu « La magie du rangement » de Marie Kondo. Non. Là-dedans, là, au début, quand tu lis, c'est hyper extrême. Là. Puis tu sais, elle dit de tout faire d'une shot, toutes les pièces de la maison. Ah ouais, let's go. Puis là, tu dis, ben voyons, c'est malade. Là. Je vais pas faire ça. Mais moi, vraiment, en le faisant tout d'un coup, là, c'est que vient un moment, au début, t'es super réticent. Là. Tu fais un premier tri, tu te débarrasses pas de tant de choses que ça. Puis là, tu dis, bon, OK, je vais faire un deuxième tri. Puis à un moment donné, là, tu pognes, je sais pas ce qui se passe, là. Tu frappes un niveau, là, que là, tu deviens dans un autre monde complètement, puis tu veux te débarrasser de tout. Ma mère était à côté de moi, là, puis elle était assise, elle était sidérée. Elle était là, oh, Josiane, tu peux pas faire ça, tu peux pas te débarrasser de tout ça, voyons donc. J'étais comme, genre, je t'ennuie, je veux plus rien, puis ah ouais, ça s'en va. Puis, moi, ce que je dis, c'est faites-le pièce par pièce, mais vraiment la pièce au complet, là. Si tu négliges pas, je sais pas moi, dans ta chambre, tu sais, c'est une petite armoire qui ramasse plein de cossins, mais tu sais, ça aussi, tu l'inclus. Puis... Et c'est à ce moment-là que tu peux avoir ce ouais. shift-là que tu as connu. Là. Exactement, ouais. Et t'en parles, puis elle est super heureuse. J'ai envie d'y aller, vrai, là. Ça, c'était quand, ça? Ça, c'était en 2016, début 2016. Puis là, tu vois, maintenant... On n'est pas tard, là. On est là, un an plus tard. Ouais, c'est ça. On est un an plus tard. J'ai une petite fille. Maintenant, on a une maison. Donc, c'est sûr que dans le temps, je voyageais. Il n'y avait aucune pertinence à avoir plein d'objets. Ouais. Maintenant, on a une maison qu'il a fallu remplir quand même. Ouais. Mais moi, ce que je dis tout le temps, c'est... Tu sais, le parfait minimalisme, ça n'existe pas. Puis de toute façon, c'est plate. Fait que c'est que chaque personne trouve le minimalisme qui lui convient à elle. Absolument. Puis, tu sais, de ne pas virer fou avec ça. Si tu aimes ça, si ça t'apporte du plaisir, bien, c'est ça. Mais si c'est lourd, c'est ouais. là où il y a un truc à faire, ouais. pas à faire. C'est... Puis aussi, l'autre truc, c'est des fois aussi essayer de détecter pourquoi on consomme autant. Tu sais, des fois, les gens qui consomment énormément, puis ça, c'est moi avant, là. C'est mes week-ends, mes soirées, c'était tout le temps magasinage, magasinage, magasinage. Mais ça, souvent, c'est qu'il y a quelque chose derrière ça. On essaie de combler un vide, on essaie de pas faire face peut-être à un problème. Fait que quand on prend conscience de « OK, pourquoi je consomme autant? » Là, ça nous aide vraiment à réfléchir à la question puis à régler le problème une bonne fois pour toutes. Parce que si on prend pas le temps d'y réfléchir, qu'on fait juste « Ah, je vais épurer, je vais arrêter de magasiner », ben tu sais, trois semaines plus tard... Dans ta maison, qu'est-ce qu'il y a? Nous, de la manière qu'on le voit, c'est on veut que notre maison, au lieu d'être juste remplie, elle soit remplie de coups de cœur, d'objets qu'on aime. Donc,
tout ce qui est dans la maison, c'est vraiment des trucs qu'on a pris le temps de trouver ensemble. On a fait les brocantes, les ventes de garage, les friperies. C'est tout du seconde main. La maison complète, wow. On a réussi à s'équiper en seconde main. Bravo. Puis ça, ça nous a forcé à prendre notre temps. Et quoi d'autre que tu as comme truc? Disons, est-ce que tu as un pièce par pièce? Qu'est-ce que tu t'avais envie de nous proposer? Bien, non seulement dans les trucs matériels, moi, ce que j'aime beaucoup du minimalisme, c'est l'appliquer à toutes les sphères de la vie. Notre boîte de courriel, nos médias sociaux. Tu sais, tout d'un coup, je fais comme « Ah! » On n'y pense pas. Mais non, tu sais, juste le fait de couper les notifications sur nos téléphones, sur nos ordinateurs, ça peut être aussi dans nos relations interpersonnelles, de s'entourer des bonnes personnes. Tu sais, surtout, plus on vieillit, on n'a plus de temps à perdre avec des relations qui ne nous apportent rien, que ce n'est pas donnant-donnant. Et dans le travail. Et dans le travail également. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment là, pour toi? Tu sais, concrètement, ça ressemble à quoi, ta vie? Concrètement, là, je travaille 4, parfois 5 heures par jour. Puis c'est pas mal ça. Je fais beaucoup des semaines de 25 heures environ. Donc, avec Stan, là, on travaille pendant les siestes de notre fille ou le soir quand elle est couchée. Puis pendant la journée, là, on s'alterne. Lui, par exemple, va aller s'en occuper pendant 2 heures pour que j'aie un petit 2 heures tranquille et vice-versa. Moi, ce qui m'a beaucoup aidée, parce qu'il faut savoir, là, moi, j'étais une workaholic, là, mais... En plus? Ah, solide, là. Les semaines de 75 heures, là, c'était... OK, c'est pour ça que tu peux le dire avec sourire que tu travailles 25 heures, parce que tu as gagné ça. Ouais. Tu l'as vraiment fait pour toi. Moi, les trucs qui m'ont aidée, c'est d'abord lâcher prise. Tu sais, des fois, on veut comme tout contrôler. Ou... Surtout quand c'est notre entreprise à nous, tu sais, c'est notre bébé. On veut que ça soit exactement... Surtout toi, tu sais, t'es la face de ton entreprise. Tu veux que ça reflète tes valeurs, qui tu es, tout ça. Donc, il y a certains trucs où j'ai fait comme un lâcher prise... Ou bien j'ai coupé complètement. Donc, j'ai fait là, un gros ménage dans toutes les tâches que j'avais. Qu'est-ce qui me demandait trop de temps? Mais ça, c'est de la simplicité volontaire. Ouais. Ça, c'est vraiment de faire l'examen. Donc, tu as fait ça en plus. J'ai fait l'examen. Là. J'ai noirci des pages et des pages. C'est vrai? Oui, dans mon cahier. Et c'est excitant de faire ça, non? Ah, ça fait du bien, là. C'est... Une fois que tu as fait ça, tu es comme... Ah! Oh! OK, c'est bon, genre, ça te donne un... Bon, un exemple. Bien là, par exemple, j'avais fait la liste de toutes les tâches qui remplissent mes journées, des plus simples aux plus complexes, des plus plates aux plus fun. J'ai tout mis, j'ai tout noté, mes présences sur les médias sociaux, tous les comptes que j'avais, parce que moi, avant, j'avais plusieurs entreprises que là, je suis toute en train de transformer en une. Donc, pour chaque entreprise, une présence sur tous les médias sociaux. Puis là, j'ai vraiment regardé ça de la façon la plus froide et distancée possible. Est-ce que j'ai du fun? Est-ce que ça me gruge trop de temps? Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose pour moi de faire ça? Autant pour mon côté personnel que pour mon entreprise. Puis là, si les réponses étaient non, bye-bye! 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 Wow! Tu sais, des fois, on vit un peu sur le pilote automatique. Ou on vit parce que nos parents nous imaginent faire quelque chose, ou la société nous pousse dans une direction précise. Puis parfois, on se déconnecte un peu de notre intuition, de notre cœur. Mais vraiment, là, de prendre le temps de réfléchir à ça. Qu'est-ce qu'on aime dans la vie? Qu'est-ce qui nous rend heureux? T'sais, des fois, ça peut être aussi simple que, je sais pas, mais j'aime les chats. Bien, tu sais, si t'aimes les chats, rentre les chats dans ta vie, tu sais. C'est vraiment niaiseux comme exemple, mais... Je trouve ça le fun parce qu'on se ressemble beaucoup. Quel âge as-tu? J'ai 29 ans. C'est merveilleux que tu aies cet âge-là puis que tu sois comme ça. Et je trouve ça le fun que vous le viviez à deux puis que vous compreniez puis que vous ayez ça dans sa vie. Mais, tu sais, moi, mon inspiration suite à tout ce que tu as dit, ça serait de passer à l'action. Oui! De ne pas attendre. Oui! T'sais, de ne pas attendre de faire ça à la retraite. Tellement. Puis, tu sais, comme tu l'as dit, c'est pas rendu à 65 ans qu'il faut prendre le temps de vivre. Là. C'est maintenant, nos enfants sont jeunes maintenant. Il faut en profiter, il faut être là. On est en santé, il faut en profiter aussi. Tu sais, on sait jamais dans la vie ce qui peut se passer. Donc, exactement. Je m'écoute parler, on dirait que... très, très, très chouette. Merci beaucoup. Très chouette. Mon Dieu. Vraiment, là, c'est super. J'avais envie qu'on parle des vivres parce que c'est une belle compagnie d'ici. Je les ai rencontrés, ils sont venus à la fois, puis c'est assez facile, donc tu n'as pas besoin de rien. Tout est prêt pour quelqu'un qui est pressé, tout ça.
on a juste à sortir les glaçons, puis on n'a pas besoin de mélangeur. On pourrait même faire ça dans la voiture en partant au bureau. Oui, en fait, ils ont équilibré ça avec... Bien, en fait, c'est un produit qui est biologique, sans gluten. Donc, mélange de fruits et parfois légumes et une protéine intégrée. Donc, un petit smoothie qui va soutenir quand même un certain temps. On le mélange avec le lait de notre choix. Puis c'est ça, le contenant. Il y a des contenants à l'intérieur. Puis on prend un contenant pour un mélange avec le lait de notre choix ou même à la limite avec de l'eau. Puis le tour est joué, là. Donc, c'est vraiment un super dépanneur, mais de qualité, là. Et ils sont bons. Moi, j'ai goûté... Tu sais, pendant la foire, je reste debout toute la journée, de 8h à 6h, puis ils me fournissaient en smoothie, puis j'ai vraiment pu goûter à tous leurs smoothies, puis ils sont vraiment tous très bons. Et d'ici, donc... Et d'ici, une belle compagnie. Oui, absolument. OK, je suis vraiment heureuse. Parce que on a fait notre déco de Noël, mais je vais vous montrer même mes décos dehors. Regardez si c'est beau! C'est absolument féerique. Quand Carole et Daniel viennent pour Noël ici, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans qu'on fait ça. Je suis comme une petite fille. Et hier, il y en avait partout. Puis là, on a sélectionné les décos qui allaient rester ici. Celle pour Saint-Philippe, celle pour Québec, celle pour Sainte-Thérèse. Pour moi, c'est vraiment le summum. Et je peux faire ça 2 mois avant. Je me réservais la période de Noël juste en décembre. Mais là, maintenant, je peux commencer en novembre parce qu'on a une boutique. Et parce que c'est beau. Là, regardez ça, le détail. C'est Yves, le chum de Daniel, qui a fait ça. C'est mon village. Puis on pensait à me faire un petit présentoir en même temps pour nos produits. Regardez, ça, c'est Carole qui fait ça, avec du vieux fer. Puis ils vont prendre des fois des traîneaux qui existent déjà, puis on vient mettre des branches, des lumières. Ça, j'en ai 2, là, cette année. Je les garde, parce que j'en ai une qui date d'il y a 3 ans. Moi, ça me fait rêver. Et la plupart des décorations sont à vendre, mais il y en a que j'ai enlevé les prix. Regardez-moi. Donc ici, on a ça, c'est nos commandes, c'est normal, là, ça part chez le dépositaire. Mais un autre sapin, un autre type de sapin qu'on peut avoir au lieu, puis ça aussi, c'est Carole qui le fait, au lieu d'aller dans des sapins, soit qu'on va couper, ou des sapins artificiels, j'en ai un sapin artificiel, là, parce que je l'ai acheté il y a 15 ans. Mais c'est des bonnes idées. Ça aussi, c'est un autre présentoir qu'elles ont fait pour moi. Puis là, il y a les décorations qu'on peut laisser aller, toutes faites dans le vieux bois recyclé. Ça, c'est sa nouvelle décoration. Elle était toute contente de me montrer ça. Et ça, c'est ma première affiche que j'ai achetée, Pôle Nord. Comme ça, les enfants, ils savent quand ils viennent ici qu'il n'est pas trop loin. Ça aussi, c'est de la fourrure recyclée. Ça, c'est paire de patins-là, là. J'ai beaucoup de difficultés à les laisser aller. J'aime quand elles font des fenêtres, puis elles prennent des anciens cadres de fenêtres ou des dessus de porte, puis elles vont venir suspendre des choses comme ça. Ça habille la fenêtre ou comme ça, on peut les laisser pendre, mais c'est super chaleureux. Ça aussi, c'est un beau sapin en laine, là, avec de la laine collée dessus. Ça, c'est notre laine d'alpaga, nos alpagas à nous. Il y a une paire de pantoufles, mais c'est trop génial. Ah, voilà. Venez voir ici. Ici, on pouvait moins mettre de décoration parce que c'est l'espace. On est 5-6 personnes à faire des paquets ici dans la journée. Mais les flocons, ça, j'aime ça, les flocons en haut ou des étoiles, c'est rien, là. C'est des lattes de bois, puis je trouve tellement que ça habille bien. Donc, ça, c'est une ancienne planche. Ils prennent aussi des supports à chaussettes, je vais vous en montrer. Venir faire des dessins là-dessus, des spatules de bois. C'est nos nouveaux... j'ai demandé ça à Marie-Ève qui fait nos savons. C'est les savons de voyage. Ça, c'est nos 5 savons, mais en petit format. Et je trouve ça tellement beau dans un ancien rack à peau maçon. C'est ça. Ça, c'est une patte de chaise. Et là, je trouve ça génial. Lui, il est à moi. Ça, c'est un gros coup de cœur aussi. Avec les vraies chaussettes des lutins. Tu sais, des fois, on peut prendre juste des vieux,
des vieux instruments, une pelle, puis on met des boucles dessus, du sapinage. C'est ce que les sœurs m'ont montré. Ça, c'est un manche à hache. Fantastique. Dans un vieux tonneau, on est... je les trouve là merveilleuses avec leurs idées. C'est hyper inspirant. Ça, c'est un top de poteau, là. Alors, on continue dans les autres endroits. J'ai hâte de vous montrer.